On se cache dans les gradins. Hey Sam, j'ai une idée. Je pourrais enregistrer les appels de ces dauphins avec mon micro-émetteur récepteur pour attirer tous les autres dans la piscine et faire en sorte qu'ils reprennent leur apparence. Ça, c'est vraiment une super idée, Clover. Pour te remercier, je vais t'offrir un mois de manucure. C'est génial. Je devrais avoir de super idées plus souvent. Je vais faire un sol bien glissant pour nous amuser. Alors, t'as réussi? Arrête! Qu'est-ce que tu fais, Clover? Tu n'as aucune raison d'avoir peur, Alex. On va t'aider malgré toi. Ils sont horribles, vos uniformes. Il faudrait que je vous donne des leçons de stylisme. Bah dites donc, on a gardé sa petite dorsale. Entre nous, elle ressemble plutôt à un aileron de requin. Vous avez de la chance que j'ai perdu cet énorme nez. Quand c'est bien porté, c'est adorable. La peine d'aller aussi loin. Mon Jerry, vous dirigez une agence d'espionnage et on ne peut pas vous laisser la maison en toute confiance une journée. Vous ne partirez pas d'ici avant d'avoir nettoyé ce que vous avez fait. Gladys. Je suis trop contente d'être chez nous, même si la semaine prochaine je dois retourner en Angleterre. Bonne nouvelle, chérie. Il a dû y avoir une petite confusion au lycée. Tous ces F, c'était les notes de quelqu'un d'autre. Tu as des A et des B. Si tu savais comme nous sommes fiers de toi. Alors je peux rester à Beverly Hills? Oui, du moment que tu promets de nous rendre visite plus souvent. Génial. Je peux rester. Les meilleurs amis du monde sont à nouveau réunis. Je suis tellement contente que je vais vous permettre de m'accompagner à toutes les séances de manucure que m'a offerte Sam. Mais si toutes ces mauvaises notes n'étaient pas les miennes, à qui pouvait bien appartenir un bulletin si minable? C'est des F, mais je comprends pas, c'est pas normal. Tu es punie pour le reste de l'année, jeune fille, ce qui veut dire oublie les sorties avec les garçons. Non, c'est pas possible, mais ils vont tous être totalement perdus sans moi. Je pense qu'ils survivront à l'épreuve. Et si elle n'est pas disponible, on aura plus de choix.